Le décès seront au même moment. Et en ligne. Mais en ce temps-là, la trompette de l'Égypte qui ouvre toute la porte. Donc la trompette de l'Afrique. L'Afrique n'a pas de trompette. C'est simplement la septième trompette qui retentit en Afrique. Il dit c'est l'écho de la voix du septième ange. Il parle comme Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne participez pas à ses péchés. Et maintenant que nous parlons ici, il dit lorsque le septième ange parle, la voix va dans le ciel. Lorsque ça frappe le ciel, ça revient. Ça dit sortez du milieu de mon peuple. Ça devient la voix de Dieu. Le ciel, c'est l'épouse. Le septième ange a parlé. Lorsque cette voix rentre en nous, et lorsqu'elle revient, elle est retentie, ce n'est plus la voix du septième ange, c'est la voix de Dieu lui-même. Et nous croyons, c'est l'écho de la voix. Rabbanam dit ça. Donc pourquoi je suis contre les religions organisées? Et Apocalypse 18, l'ange à l'évangile éternel, c'est l'écho de la voix du septième ange. Ce n'est pas la voix du septième ange, mais c'est l'écho de cette voix qui a été transformée, qui paraît comme un autre message. Parce que le septième ange dit, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, l'Amérique est tombée, l'Occident est tombé, tout s'est détruit. Avec la crise mondiale, dans la 44e année, exactement. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout est fini. Mais il y a quelque part où il y a le continent du futur et celui de l'espoir. C'est mon continent à moi. Nous sommes ici, ici en Afrique. Nous croyons que Dieu va accomplir quelque chose ici chez nous. Amen. Qui bougera le monde. Je crois cela. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ça pourrait être un frère. Ça peut être le pasteur Elise ou un autre. Peu importe, mais je suis simplement content parce que Dieu, ici dans la Bible, avait promis qu'il le visitera. Et maintenant, mes yeux ont vu son salut.